Ah, j'attends. Oh. Bon, bonjour à tous. Je veux juste faire cette petite intro pour vous expliquer que la vidéo qui va suivre est un truc à nature un petit peu particulier. Voilà, que j'ai le plaisir de partager. Bon, vous allez le voir de toute manière dans la vidéo. J'ai simplement dû couper certaines séquences à cause de vents extrêmement violents que nous avons rencontrés et j'en ai gardé quand même certaines parties. Le son est clairement inaudible malgré tous les moyens mis en œuvre, voilà, même avec la bonnette anti-vent, etc. Les vents étaient tellement forts que le son est par moments vraiment, vraiment horrible. Donc ben, vous allez avoir des sous-titres. Donc voilà, le format est un petit peu plus différent. Mais voilà, donc j'espère que le contenu vous plaira, que la vidéo vous plaira. Et ben, je vous souhaite un bon visionnage. Ça bouge. Retour aujourd'hui sur le temps de la Roquefourcade. Et je ne suis pas seul. Ouais, la sœur. Ouais. Mais vu le vent, je pense que là c'est mort hein, aujourd'hui. On verra si j'ai fenêtre de tir. Allez, c'est parti! Soit elle est très très glissant, il a plu hier. Et en plus c'est toujours pareil, c'est à l'ombre ici, donc c'est toujours la même mer. Donc faites attention si vous venez. Parce que veillez à être quand même correctement équipé quoi. Et sur ce je vais arrêter parce que sinon je vais avoir du mal à avoir mes prises, voilà. Oh putain. Nous voici dans la fameuse grotte, pour les puristes qui ont vu la vidéo. Qu'est-ce que tu as vu? Ça. Une bête là. Une bête? Je sais pas. Tu vois, des chauves-souris. T'as fumé. Il y a peut-être des chauves-souris. Hein. Mais si, elle. Enfin, j'ai les yeux injectés. Dans la toile de l'araignée. Ah. Un gros truc. Ouais. Mais là, ça continue encore. Tu veux y aller? Parce que moi, j'ai ouais. C'est encore un truc là. Regarde, fais gaffe. On fait caca. Une personne qui a fait caca, a priori, c'est bon. On va rester bloqué.
comme dans. C'est dans quel film déjà qu'ils nous sont bloqués? Je sais pas, il y en a trop bien de films. Il y a The Descent. Ah putain, The Descent. Et l'autre, combien de, je sais plus combien de jours là, 900. Qu'il a été bloqué, qu'il a dû se couper la jambe. Ah oui, oui. Non, pas la jambe, mais c'est couper le bras. Le bras. C'est... 72 heures. Non, je veux pas dire, mais là il y a plein de petites araignées. Il y a plein de petites araignées là? Ouais. Ah ben ça c'est pour mon pote Thierry là. Thierry là. Il se régale, oui. Mais regarde, t'as de la... Qu'est-ce que c'est? De la mousse qui... C'est un peu dégueulasse. Hein. Pompon. C'est... C'est fou d'avoir des petites crevasses comme ça, des petites grottes là. Et au moins là, tu vois, on est à l'abri. Ouais. Tu pourrais presque bivouaquer, mais juste à une personne, hein, pas plus, hein. Pas à deux. Trop petit pour deux. Les belles araignées. Ah, même les araignées, elles sont mortes. Grave. Bon, allez. Allez. Let's go. On retourne dans le vent. En pleine tempête. Attends. Hop. Ça glisse toujours autant. Alors voilà, la suite de la rando. Putain, mais j'ai un sac tellement gros que je sais même pas comment je vais faire moi. La dernière fois quand je suis avec lui. Putain, je sais pas qu'on fait une rando, on escalade toi et moi. Arrivé au sommet. Arrivé. Ma soeur prend la photo là. Ce qu'il y a assez donc. Attends, on voit bien ou pas? Là. Là. Donc, c'est ça. Les dents de la roque. Et derrière moi. Ici. Mais oui, ce truc là que vous voyez là. La Sainte-Baume. Voilà. Ou comme diraient mes amis parisiens, la Sainte-Baume. Eh, on dit à cette bombe ici! Ça y est, je pars en couille complet. Des fois, je me fatigue. Alors. Donc, on va arriver sur le fameux plateau. Voilà. C'est bien, je pense que je vais appeler cette rando les dents de la Roquefourcade 2.0. Pour ceux qui n'ont pas vu la première rando, je vous renverrai évidemment à la première. Et ce qui est bien, c'est que je reviens encore ici, c'est pas du tout la même ambiance que la dernière fois. Là, on est en plein hiver, donc c'est vraiment pas la même. Et en plus, il y a la sorette. Magnifique. Je dois vous avouer quelque chose. Je vais vous dire un truc que j'ai fait. C'est que maintenant, j'ai plus besoin de station météo. Parce que j'ai... Alors, il y a Mathieu qui lui a un capteur à vent avec sa chevelure. Moi, j'ai un capteur de pluie maintenant. 3, 2, 1... Alors, nous sommes arrivés à la grotte. Voilà. Malheureusement, vous entendez, il y a du monde derrière moi. Et en fait, la dernière fois, je ne m'étais pas enfoncé.
Et en fait, je m'aperçois que la truc, elle est... Il fait rire, avec. En fait, la truc, elle est gigantesque. Et on peut encore continuer. D'accord. Donc, tu vois, tu peux... En fait, je savais pas que c'était possible. Putain, je suis désolé. Vous voyez strictement rien. Mais en fait, c'est encore possible. Putain, mais en fait, il y a du monde partout. Il y a du monde absolument partout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un bivouac. J'ai l'impression qu'ils ont fait un bivouac. Mais non, mais c'est parce qu'ils font plusieurs groupes, en fait, d'intervention. Ouais, mais bon. Là, c'est... Putain, mais en fait... Ouais, mais en fait, elle est... Je m'aperçois que... Elle est vraiment immense. Elle est vraiment, vraiment immense. J'avais pas compris, j'avais pas saisi ça. Incroyable. Bon. Alors. La grotte est vraiment top, de chez top. On n'avait pas... J'avais pas vu la première fois que c'était aussi grand. Et franchement... C'est énorme, mais le problème c'est que je peux rien vous montrer quoi. Elle est même avec même en mettant un peu de lumière, c'est compliqué. Puis une nouvelle photo, moi j'avais pas forcément prévu. Le problème c'est que j'avais que le flash intégré et j'ai pas pris de Cobra pour aujourd'hui. Je pense que j'aurais pu faire vraiment des photos sympas, mais bon, bah du coup j'ai fait avec ce que j'avais. C'est pas le top, mais bon, ça fait un peu la photo souvenir. Allez, maintenant on va poursuivre la rando pour terminer joyeusement cette escapade journalie de la journée. Excusez ce petit chemin. Ce petit chemin. Ni queue ni tête. En attendant, on a réussi à trouver le moyen de se perdre. Donc. Non, juste en montée. Ouais. Résultat, on a essayé de faire demi-tour. Pour récupérer le chemin, mais bon, je pense qu'après nous on va s'arrêter là parce que. Après, c'est vite fait la route, donc il faut remonter jusqu'à la bagnole. Voilà. Donc, je crois que ça va être le mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de trek et nature. Très cool, très cool. Pas de photos, quasiment. Les photos que vous allez voir, c'est les photos prises au téléphone, c'est tout. Donc, accompagné de la sister. Hey. Voilà, ça t'a plu? Oui. Ouais. Trop bien. Bon, tant un mieux. Bon dimanche ensoleillé, venteux, ensoleillé. Ouais, il était venteux. Ouais. Bon, ouais, écoute, si ça t'a plu, c'est le principal. Ouais. Bon, alors sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Et alors j'ai un petit dicton sur la chaîne, mais tu le connais pas du coup. Non. C'est que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, et là après je termine par shooter, donc tu vas le dire, le plus important... Shooter. C'était la plus pauvre outro de cette série Trek et Nature. Allez, ciao tout le monde.